sens lui combien sur 10? C'est là. Combien sur 10? Tout nu, combien sur 10? Combien sur 10? Non, rien. 10 sur 10, ça. Ah, rien. Design 10 sur 10. 10 sur 10, c'est à la tête. Mec. On a pris quoi? Je vais installer, enlever les gens. Je vais mettre là, ce truc pour enlever les gens. C'est une vidéo. Fais la vidéo, c'est comment coach. Fais la vidéo, la coach. Stroma doit nous parler concernant. Stroma, il va juste le côté. Il a l'air encore un mécanicien. Wow. Yeah, là, on est à Kembo, mais de l'autre côté, c'est la halle de la Gombe, la grande halle. Donc, du coup, c'est là qu'il y a la compétition de. Quoi ça? L'art. Non, création numérique. Et c'est ce qu'on vient voir. Voilà. Mais non, apparemment, on va pas voir la compétition, mais la remise des trophées. On a raté la compétition. Apparemment. Apparemment, on a raté la compétition, gars. Mais c'est trop égoïste, hein. Semaine francophone. Semaine francophone. Ça m'a été recruté. Ça m'a été recruté dans ma voix. Au Havaï, non? La francophonie. Oui. Mais tu l'as pas bien gâté. Genre hôtesse. Ah. Jusqu'à présent, parmi les hôtesses. Et attends. Et le temps qu'on a perdu. Quoi? Ah, il y a Scrabble, il y a un barré, non, ça n'a pas de sens. Il y a Scrabble et champion du monde. J'ai joué du Scrabble quand j'étais enfant. On est Scrabble, non? Au bêta, moi. Oh, moi, je Bon les gars, je vais vous faire un tour de Buena Vista Villa. C'est l'un des meilleurs hôtels que je connais à Kinshasa. C'est l'un des meilleurs hôtels avec une meilleure vue à Kinshasa. Donc je vous montre ça. Là, c'est l'immeuble où il y a des chambres là-bas, il y a des chambres au-dessus. La suite présidentielle, elle est au fond au-dessus. Et regardez cette vue. Regardez-moi la vue qu'il y a ici. Le restaurant est juste là. Je vais prendre mon petit déj là-bas. Et... je vous montre tout ce qu'il y a ici juste après. Ça sera du coup un vlog Buena Vista Villa. Que vous allez remarquer ici. Regardez, la vue là-bas. Il y a une piscine là-bas. Je vais vous la montrer juste après. Les trucs que vous allez remarquer ici, c'est qu'il y a de statues des personnalités importantes de la RDC. Lui, c'est Patrice Emery Lumumba, l'héros national de la RDC. C'est lui qui a demandé l'indépendance de la RDC. Et là, je me dirige vers le restaurant. Je pense que c'est par là. Si je ne suis pas en train d'aller n'importe où. Le restaurant, c'est par ici. Voilà. Ah, ok. Donc, du coup. Oui. Là, nous avons le restaurant pour les gens qui sont logés. La statue des Lumumba, elle est là. Et donc, là, c'est le petit déj. Déjà servi, donc du coup il y a ça, il y a des œufs qu'on est en train de faire et du thé, ça m'a l'air du miel, ça m'a l'air du miel, ça c'est du dolé, ça c'est du sucre et du lait, ça c'est du thé, non c'est pas du thé, c'est très froid en fait, c'est un peu ça. Donc du coup je vais vous montrer de l'autre côté après avoir pris les petits. Déjeuner. Le truc est que on fait pas des omelettes directement. Donc du coup, le service est top parce que on t'appelle, on a déjà préparé les petits déj, mais on fait pas des omelettes en un moment parce que faut que les omelettes soient chaudes. Donc du coup, le petit déj est servi. Là, j'attends les omelettes fraîchement chaud pour prendre le petit déj. Peace. Merci beaucoup. Guys, voilà. C'est du rêve.
ce que tu, voici ce que tu rates. Je connais Nelson Mandela, l'autre ça doit être Kofi, Papa Wemba, juste là. Et puis la vue qu'il y a là. Et Grachin. Tu sais, j'ai montré la chambre d'hôtel dans ma vidéo. Après, je te montre. Non, tu vas me retirer. Personne de ta famille me suit. Qui t'a dit ça? Non, c'est une nouvelle chaîne. C'est une nouvelle chaîne. Ils ne me connaissent pas. On se met juste là. Regardez la vue. La piscine n'est pas très 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 propre en fait, mais pas du tout propre. Ok. Mais la vue qu'il y a ici. Ah si. Toi t'es là tranquille, moi je te filme. Maintenant, ici, nous avons, c'est quoi? La Dolce Vita. Je pense que c'est le Wi-Fi. Ici, on a un nouveau restaurant. Tu me filmes, tu ne filmes pas les restaurants. Ne zoome rien. Et là, on a... Ça, c'est une piscine. Piscine pour enfants, peut-être. Les toboggans. Ouais. On appelle ça jacuzzi, je crois. Jacuzzi, peut-être. Ouais, non, c'est pas de jacuzzi. C'est pas de jacuzzi. Maintenant, là, la balançoire. Et ça, c'est un terrain de mini-foot. Et tu m'as dit hier, tu ne savais pas. Je t'ai dit, zoom rien. Et tu m'as dit hier, tu ne savais pas. Ah, la limite était où, les gars? C'est juste là. C'est pas si grand. Et il y a un autre espace là-bas que je vais vous montrer. Stop. Non, je vous montre l'hôtel en question. L'immeuble de l'hôtel. C'est pas très nouveau, mais quand même, c'est top. Et donc, c'est un hôtel, c'est un grand espace. Un grand espace. Il y a en fait quoi ça? Des trucs de l'autre côté. On a déjà été de l'autre côté, non? Il y a un lounge. Il y a un lounge de l'autre côté. Et puis, c'est tout. Ce qui est intéressant, ce qui est grave intéressant ici, c'est la vue qu'il y a, mesdames et messieurs. C'est peut-être la troisième vidéo que j'ai fait à Buena Vista Villa. Vous savez pourquoi? Parce que les DG, c'est mon ami. Non, en fait, il y a une vidéo qu'on a faite ici, pro, pour Kinshasa Maps. Ok. Et là, en collaboration avec le DG, il y a beaucoup de bruit derrière moi. Et là, en collaboration avec le DG, il y a une deuxième vidéo qu'on a fait. C'était un vlog, c'est sur la chaîne. Ça, c'est la troisième vidéo. Et pourquoi je reviens ici? Pour ça, pour cette vue toujours. Peace. T'es en train de filmer. Hein? Ça te va ces trucs? Tu sais, t'as l'air de quoi? De quoi ou de qui? Pas d'une intello. D'une intello de film. Ou d'une juriste. T'as l'air d'une juriste, mais pas en t-shirt. Juriste, pas en t-shirt et pas en. Mais le truc, avec qui? Cachy. On m'avait donné. Si. Oui. On m'avait remis ça. On t'avait remis quoi? On m'avait juste. Quand j'ai donné l'argent. Mm. Et puis elle a commencé à calculer avec son téléphone. Elle a dit ça fait 34 000. Et ouais. Puis elle est partie, elle est revenue avec la différence. T'as calculé la différence? Tu sais comment? Tu sais ce qui se passe avec nous? Quoi? Tu sais, à chaque fois, qu'on tient pas. Gars, si vous venez à Kinshasa, à chaque fois, je ne parle pas ça contre Buena Vista Villa, mais
la plupart d'endroits où on va, à chaque fois qu'on ne calcule pas l'addition, il y a toujours un truc surplus. Mais je pensais que tu savais, puisque c'est toi qui as commandé, tu avais vu le menu. Non, je ne connais pas. Rachid, je n'étais pas en sans compter. Bon, des fois. C'est pourquoi on nous arnaque, on nous a arnaqué. Marc de la Vallée, il a lancé les $60. Plus de $60. À Enjoy Palace. On voulait nous arnaquer, mais tu étais là. Par là. Bon, les gars, le truc est qu'il fait tellement chaud ici, on supporte pas. C'est un coin où il y a peut-être moins d'eau qui est là-bas, plutôt. Donc j'en profite pour vous montrer tout l'espace écologique. T'as rien à mettre ici, Grachin. Mon vidéo. Je te filme plus. Je te filme plus. Non. Enfin, les t-shirts que tu as mis, c'est publicitaire. En fait, voilà. Comme je vous le disais, il y a deux trucs. Des statues, ça c'est Mobutu, c'est Sekou, le roi du Zaïre. Nous avons qui? Nous avons Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi, symbolique ces trucs parce que première passation de pouvoir pacifique dans notre pays en fait, lorsque fait après les élections de 2018, lui c'est le premier président de la République après l'époque coloniale, c'est Joseph Kasavubu. Lumumba, encore une fois, ça c'est Buena Vista Villa. Karibu, c'est en Swahili. Welcome, c'est en français. Bienvenue. Welcome, c'est en anglais. Bienvenue, c'est en français. Lumumba, encore une fois. Il y a une autre statue que j'ai pas montré. Voilà, là, je vais vous montrer juste ça. Voilà, lui, c'est Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila, entre guillemets. Beaucoup de gens en doutent en fait. Donc du coup, historiquement, c'est le père de Joseph Kabila. Et donc du coup, nous on va se mettre dans ces langes là. Et là, honnêtement, je suis là pour travailler. Je te vois. Est sûr, ça c'est un hôtel, mais ça a un aspect culturel, symbolique et tout le reste. Ça fait top en fait, ça fait grave top, grave top si ça se dit, mais ça fait grave top en fait. Ah. Et là c'est le lounge, je dirais pas lounge, le lounge c'est de ces côtés là seulement, là où il y a cette grosse tête. On t'a dit que cette chaise c'est pour toi. À chaque fois que tu viens ici, tu te mets là. Tu sais, il doit y avoir des dizaines de personnes qui viennent ici et disent cette chaise c'est pour moi. Je me mets toujours ici quand je viens. Et toi, tu fais partie. Juste une vidéo. J'ai pas pris de photo. Et quand tu faisais des fiers, c'était pour la photo. Oh là, j'ai juste pris, une vidéo. D'une vidéo, tu peux tirer une photo, tu fais une capture. Si tu fais avec une cuillère. Ça s'appelle pas de dolé, ça s'appelle du yaourt. Bon, elle s'appelle Mademoiselle Touche à tout. Et pouvait pas rester tranquille. Tu peux pas rester tranquille. C'est bon. Là, tu peux te calmer. Il en reste deux. Je suis sûr que tu ne sauras pas rester sans les toucher. C'est le même son. Rachid. Les trucs là, c'est blanc. Tu vois pas que c'est des couleurs différentes. Je veux pas me dire. Essaye, s'il te plaît. C'est sûr que tu pouvais pas ne pas.
J'entends rien. On va te chasser d'ici. Tu sais, cet hôtel a l'air de quoi? D'amusé. Ouais. Quelqu'un que je ne vous ai pas montré, c'est le cardinal Mossengo. C'est peut-être le premier archevêque. Premier archevêque du Congo, peut-être. J'ai pas trop de précision en fait pour ça. Donc du coup, là je suis allé en train de chercher un truc que je ne dois pas mentionner dans la vidéo. Regardez, voilà, d'ici vous pouvez voir maintenant la vue qu'il y a et l'hôtel. Là c'est l'immeuble où il y a les chambres, les appartements, la suite présidentielle au-dessus. Et là c'est la vue que vous avez d'ici. Ça c'est la commune de Mangafula. Et la piscine elle est juste là, en bas. Et ici c'est la terrasse où on est assis. La terrasse, les langes où on est assis. Et ça c'est leur truc, leur véhicule qui fait le transfert de l'aéroport vers l'hôtel. Et à 12h, on a un shawarma gratuit. Pourquoi? Offert par la maison. Pourquoi maman? Par le déjeuner. Pourquoi? Parce que je suis l'ami du déjeuner. Voilà, dis-le bien. Parce que je suis l'ami du déjeuner. Parce que je suis l'ami du déjeuner. Mais c'est la fin de cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Peace.